Il faut quand même dire merci. Il faut quand même dire merci parce que vous avez été nombreux à vous être manifestés pour me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai vu les cadeaux que j'ai reçus, hein, mais sans vous mentir, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc j'ai rendu à certains, j'ai partagé à mes cousins et tout ça. Donc je n'en ai pas besoin parce que ma mère déjà m'offre beaucoup de choses. Et quand je vais regarder vos cadeaux, c'est n'importe quoi. C'est des cartes de vœux et écrits avec beaucoup de fautes. D'autres, c'était des chemises bon marché. Je n'ai pas besoin de ça, vous aussi. Je ne porte pas n'importe quoi sur moi. Donc pour mes 25 ans, je dis merci à ceux qui se sont manifestés, ceux qui n'ont pas voulu se manifester aussi. Je m'en fous. Voilà, je n'ai pas besoin de vous. Bon, alors, laissons ça, c'est un épisode qui est passé. Je vais parler des Panthères du Gabon, mes joueurs. Vous savez, moi, j'aime la reconnaissance. Il faut être reconnaissant parce qu'il y a un travail qui a été fait sur vous. Et ce n'est pas comme ça que vous devez remercier vos pétangoles. D'abord, premièrement, on vous a dit que le travail va marcher. Vous allez forcément gagner. Mais qu'une fois que vous marquez un but, deux, trois ou quatre, ça dépend. La manifestation devait se faire selon la manière suivante. Vous enlevez vos maillots et vous exposez vos t-shirts où c'est écrit « Moupé Tangoy, merci ». Tous les 23 joueurs, vous avez reçu ces t-shirts-là. « Moupé Tangoy, merci ». Le petit marque le premier but, il fait ça. Il embrasse le maillot. C'est le maillot qui t'a lavé. Est-ce que le maillot, c'est le maillot qui t'a fait le bain? L'autre défenseur, là, on tire le ballon, un corner, il met la tête, il court, il embrasse la pelouse. C'est la pelouse, le crabe que tu as mangé. Le crabe de vierge là qui n'a aucun rapport sexuel, qui vous avez sucé les pinces, c'est celui-là que tu as mangé, ou bien c'est la pelouse. Vous n'êtes pas sérieux. Vous embêtez. Le classement que vous avez appliqué, ce n'était pas mon classement, c'était pas celui de votre coach. En parlant même de votre coach, il y a une chose que vous ignorez. C'est que c'est mon producteur, Sean Bryan, qui appelle votre coach pour lui dire, écoute, c'est vrai que parmi ces joueurs-là, il y a certains avec qui tu as joué, mais tu es déjà le boss. Donc ce sont des enfants. Il faut t'affirmer. Il faut être autoritaire. Sois responsable. Mets-moi une veste. Parce que Sean Bryan est très fort dans le marketing. Il a dit, habille-toi en costard. Tout le monde a vu. Bon, c'était pas pour ça. Il a essayé. Parce que voilà les costards. Voilà l'élégance. Bref. Alors, il a essayé. Il y a déjà une volonté de faire quelque chose. Mais après, ça n'a pas été ça. Vous avez été très méchant. Certains n'ont même pas encore jusqu'à aujourd'hui réagi. Vous devez verser de l'argent à mon pétanque. Beaucoup n'ont pas encore réagi. Tel que votre gardien. Je vais même l'appeler tout de suite à votre gardien. Parce que je n'aime pas la malhonnêteté. Quand tu as fait un travail, il faut payer, mon ami. Tu racontes les gens n'importe quoi. Mon pétanque travaille pour vous. Ça, c'est pour sa maison. Sa maison le coule. Mais il veut faire des travaux. Oui, allô, petit. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? Non. Mon pétanque a fait le travail, non? L'argent est où? Oh, petit, tu n'as pas envoyé. Mon pétango, il dit qu'il n'a rien reçu. Tu as fait quelle est mon nom? Tu as bien vérifié le numéro. Mon pétango vient de m'appeler, il n'a pas reçu. Mon ami, si tu te trompes de numéro, c'est simple. Tu ne vas pas mentir. C'est simple. Tu peux annuler la transaction. Ils font quoi? Ils ont leur système là. Tu fais étoile 150 dièse. Tu lances. Et après, tu vas au numéro 6 là, mon compte. Et puis tu suis. Oh, tu sais lire. Mais alors, tu suis juste après la procédure, tu suis et puis tu régularises ça. Non, petit, c'est pas bien. Nous, on a pris l'enfant. J'ai récupéré ton enfant. L'enfant est là. J'avais le choix entre l'envoyer à l'orphelinat de Sean Bryan ou le garder. Moi, je le garde ici. Même la mère vient m'embêter ici tout le temps. Elle fait seulement de venir voir l'enfant, c'est pour demander à manger. Je ne suis pas là pour la nourrir. Nous, c'était pour t'aider qu'on l'a fait. Ça coûte du pays. Voilà. Donc, il faut payer mon pétangoy. Mais elle arrive ici. Mais elle est vilaine. Tu ne fais pas qu'une femme vilaine comme ça. Elle vient m'embêter ici tout le temps. Oh, je vais manger. Elle ne sait même pas lire. Remets la pauvre fille à l'école, mon ami. Oh, tu es footballeur, tu as de l'argent, petit. C'est pas ça. Moi, je suis actionnaire à Michel Guira. Si tu veux, je peux t'aider. Tu comprends? Voilà. Il y a le contrat d'amélioration. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de niveau N. Je pense qu'elle avait eu 9 de moyenne. C'est pas qu'elle casse 3e ou 4e. Mais on peut remise à niveau le cours du soir. Une fois que c'est bon, maintenant, on l'inscrit, c'est tout. Oh, non, c'est pas bon, petit. Je dis que c'est pas bon. Bon, écoute, il vous reste encore un match contre le Mali. Moi, je vais parler au gars. Venez voir mon pétangoy. Essayez de finir avec mon pétangoy, s'il vous plaît. Vous devez. C'est pas bon. Moi, c'est pas pour moi. C'est pour vous que je le fais. Je peux donner de l'argent, mais ce serait vous encourager. Ouais. Libère-moi la ligne, petit.